Lors de cette 21e journée, le Gazélec s'est imposé 1-0 à Valenciennes grâce à un but de Cédric Outondji à la 26e qui profite de l'erreur de Perquis dans les arrêts de jeu. Le Gazélec revient à 3 points de la Salah qui a un match en moins par rapport à Toulouse. L'US Orléans est défait pour la troisième fois de la saison, la deuxième à domicile grâce à une défaite malheureusement à Lorient, plutôt contre Lorient chez lui à domicile 1-0. But de Moukandjo sur une tête piquée. Lorient est cinquième à 5 points d'Orléans. Orléans compte désormais 4 points de retard sur le podium. Lui, l'AC Ajaccio, compte toujours. Ne compte plus finalement son match en moins puisque les Toulousains puisque les Ajaxiens se sont même inclinés à domicile 1-0 contre la SSE. But inscrit par Romain Mouma. C'est un très beau service de Tabanou. La SSE est 6e à 6 points de la 6e place. La Ajaccio est 2e. N'a plus ce match en moins, il n'a que 3 points d'avance sur son voisin gazier. Le RC Lens n'y arrive pas à domicile avec une défaite 1-0 contre Metz. But de la rencontre, c'est par Yemi Mbakoto. C'est déjà le 10e but encaissé pour les Racingmen. Metz est 7e à 8 longueurs de la 5e place. Pas de problème pour le PSG qui s'impose 2-0 à Guingamp. Erwin Wenger 24e, Lucas 66e. Le PSG compte 12 points d'avance sur la Ajaccio. Le Sporting Club de Bastia gagne enfin à domicile grâce à un but de Palmieri. Les Bastiais sont toujours relégables, ont la même différence de but, mais peuvent y croire. Laval s'impose 2 buts à un domicile contre Evian de Longuayère. Les Lavallois sont 8e. Doublé de Alioui, 5 buts déjà de cette saison, le meilleur buteur de Lavallois contre une réduction du score de Dylan Sandoui. Les Evianais sont 15e avec seulement le même nombre de points que le relégable. Laval est 8e à 13 points de la 5e place. Sochaux-Monaco, les Sochaliens ont vraiment eu du mal et n'ont pas su faire mieux qu'un match nul 0-0. Idem pour les Monégasques qui vont longtemps frapper au but. Sans pour autant trouver la face 0-0, Sochaux est 12e avec 21 points. L'AS Monaco lui pointe en 9e position. Le Stade Malherbe de Caen gagne enfin domicile 1-0 contre Toulouse. But de la rencontre inscrit Damien Da Silva. Les Canets sont toujours relégables mais reviennent à un point des quatre équipes qui les devancent. Toulouse n'a que 2 points d'avance sur la zone rouge. Et enfin, Reims prend enfin un point qui Reims s'éloigne lui de la zone rouge. Les Rémois comptent désormais 17 points. Le classement n'a pas encore été actualisé. Les Rémois sont même 15e du classement, alors qu'ils menaient dans les arrêts de jeu Nantes égalisé à Saint-Dié-et-Simbamou. Le PSG, bien sûr, est seul leader du classement, 21 victoires cette saison. Deuxième partie, on vous l'a dit, le classement n'a pas été encore actualisé, mais le Stade de Reims est 15e du classement. Aujourd'hui démarre la 22e journée avec Lille qui reçoit Orléans, le PSG qui reçoit le Stade de Reims. Ça devrait être facile pour le Paris Saint-Germain. Monaco reçoit Bastia. Guingamp qui recevra Laval. Petite erreur du calendrier. Saint-Étienne qui recevra Lens. Toulouse, Sochaux. Évian, Ajaccio. Gazélec, Caen. Metz, FC Nantes. Et Lorient, Valenciennes.